Il y a des situations pour lesquelles il n'est pas permis de faire la langue de bois. Oui. Il y a des situations pour lesquelles il n'est pas permis de se jeter dans la banalité. Il faut être ferme pour dénoncer certains faits. Donc, l'impact est de nature à détruire le tissu social d'un pays. Vous ne pouvez pas me dire que le message que les militants du RDPC sont en train d'envoyer, les messages qu'ils sont en train d'envoyer auprès de la population camerounaise sont tels que lorsque la prochaine fois un ministre d'État va se retrouver dans mon village à Marolais, au Miebel, ou chez ma mère à Lokinit, et que les militants du RDPC de cette localité-là se mettent à revendiquer qu'ils ont maintenant la possibilité de couper les arbres pour barrer la voie publique, les routes, de séquestrer ces ministres d'État-là jusqu'à les obliger à signer, à valider des budgets pour engager des travaux. Vous comprenez là où nous sommes en train d'aller? Ça veut dire que vous permettez maintenant que si la population camerounaise se met aussi à agir tel que ce que les militants de RDPC sont en train de faire, lorsqu'un ministre va se rendre dans une localité, quel soit le fief du RDPC ou le fief de l'opposition, que les populations de cette localité-là séquestrent ce ministre, bloquent la voie publique, coupent les arbres, quitte à ce que le ministre-là décide de valider les budgets, séance tenante, pour engager des travaux, soit de construction des routes, soit d'installation de la voie électrique. Et donc, le RDPC aujourd'hui, le message qu'ils sont en train d'envoyer, c'est de légitimer la violence. Mais nous sommes gênés au MRC et nous sommes interpellés parce que nous ne pouvons pas admettre cela. Que dans un contexte où notre pays est embrasé, dans presque 5 régions sont en guerre, on ajoute la région du sud, on ajoute la région également de l'est, de l'ouest, on voit ce qui se passe à Bangaté actuellement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que les Camerounais comprennent que le rôle de l'administration territoriale, ce n'est pas de mener des manœuvres pour maintenir le parti au pouvoir, mais c'est d'être au service des populations. Nous avons vu, par exemple, lors de l'élection présidentielle 2018, le président de l'Assemblée nationale brûler les effigies du MRC. L'administration territoriale était là, témoin. Ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas, malgré que le MRC a porté plainte contre le président de l'Assemblée nationale, cette plainte n'a jamais prospéré. Donc, le RDPC est en train de renvoyer un message qu'ils sont permis de tout, ils sont dehors la loi, ils ne sont pas soumis à la loi du Cameroun, et que la justice au Cameroun est une justice à tête chercheuse, c'est une justice à double vitesse, c'est une justice qui n'est pas favorable à l'opposition ou au Camerounais lambda, elle est toujours favorable et au service du parti RDPC au pouvoir, de même que l'administration territoriale. Raison pour laquelle nous estimons que on ne peut pas permettre que 124 Camerounais militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et les partenaires de la lutte pour le changement sont en train de croupir dans les prisons aujourd'hui pour avoir fait des marches pacifiques pour dénoncer la malgouvernance, pour dénoncer le détournement des deniers publics et pour dénoncer le hold-up électoral. Merci. Et que des personnes qui sont en train de créer des violences... Merci.